Bienvenue au ski. Donc on est parti pour 3 semaines dans la station des Arcs. Les Arcs 1950. Voilà, c'est un petit village comme ça. Et c'est magnifique, c'est vraiment l'ambiance ski, petit, mignon, enfin canon quoi. À peine les valises rangées, on est sorti et voilà, première découverte de la neige. Romy, c'est quoi ça? De la neige? Oui. Liam qui essaye d'escalader là. Allez, vas-y, tu vas descendre bientôt? Vas-y, tu peux descendre d'ici, Liam. Première luge de Liam. Allez, à toi. Ah, regarde bien comment il fait, papa. Attention, attention. On connaissait pas cette station, mais les Arcs 1950, c'est très sympa. Pour être bien dans l'ambiance du ski, c'est sympa. Non, en plus, l'appart, il était sympa. T'avais quand même une chambre séparée pour si les parents. Si on arrêtait de dire le mot sympa. L'appart, il était assez... Oh, je sais pas quoi dire à part sympa. Et voilà, on arrive chez nous pour les 3 prochaines semaines. Notre petit appart. On est au ski. Ah ouais, t'as vu, le balcon il est plein de neige. D'accord. Ok. C'est quoi là-bas? Salle de bain. Ok. C'est quoi ici? Les toilettes. Et une chambre. Et bah c'est top. On va aller sur le balcon. Papa, allez, suis-moi. Ouf. Voilà. Allez. On va louer les skis. Yeah. Liam, fais voir tes chaussures de ski. Liam qui a essayé ses chaussures de ski. Romy aussi. Est-ce qu'on peut voir Romy? 3, 2, 1. Blast off. Allez, essaye de marcher avec tes chaussures d'astronaute. Vas-y. T'es sur la lune là, Romy? Et dans cette résidence, il y a aussi quelque chose d'autre qu'on a fait. C'est qu'on a profité de la piscine. Tu fais en piscine. On sort dehors? Allez, viens, on sort dehors. Wow. Il neige, t'as vu? Comment il neige? Et nous, on est dans l'eau. T'as vu? Est-ce que t'es déjà allé dans une piscine alors qu'il neige dehors? Non. Non, c'est ta première fois, hein? Oui. Voilà. Est-ce que t'es dans le jacuzzi et t'as de la neige sur la tête? T'as de la neige sur la tête. Mais en fait, c'était pas une station comme d'habitude. C'est-à-dire d'habitude, on a notre appartement et on va au ski. Et voilà l'activité. Mais là, c'était une station un peu club. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y avait des activités pour les enfants. D'ailleurs, la première. Tous les soirs, vers 17h, t'avais une activité spéciale. Et il y en a une que Liam il a bien kiffé. C'était quoi? Motoneige. Ah ouais. Allez, Liam est en tête. Allez, mon piston. Allez, il y a la course de motoneige. Nous, on est depuis la chambre et on voit Liam. Attends, Liam, il va passer bientôt. Où est-ce qu'il est? Il est là. Là-bas, il y a Yamouche. Allez, Liam. Allez, Liam. Allez. Allez, mon piston. C'est la première fois qu'on va au ski et qu'on reste 3 semaines au ski. Alors voilà, je vous donne une petite astuce pour tout le monde. À partir de environ, je crois, 8 jours, le prix d'achat en occasion est inférieur au prix de la location.
Donc on a décidé tous de s'acheter des skis d'occasion et on a eu nos skis à nous. Et comme on est arrivé en fait un mardi, on allait se renseigner à l'école de ski et les cours collectifs ça commençait que le dimanche. Donc on n'a pas pu s'empêcher avec Liam, on a acheté un truc super, hein. C'était à Decathlon, c'est un harnais, je le mets sur l'enfant comme ça et toi t'as comme... Des rênes. Des rênes, ouais. Je veux dire. T'es pas mon cheval hein. Mais t'as comme des rênes pour justement stopper ou aider l'enfant à avancer et prendre confiance tout seul dans ses skis. Voilà, on vient d'arriver en haut. Liam, c'est la première fois qu'il met des skis. Non, Liam, d'abord l'avant, mais par le bas, en dessous. Non, en dessous, le devant, encore plus, en bas. Tire-le un peu en arrière, ton pied. Là, maintenant, t'as pris un coup sec. Voilà, tu l'as eu, t'as vu? Là, je suis avec Liam. On est sur une petite remontée, comme un tapis électrique. Ça va, mon fiston? Oui. Première remontée de sa vie. On arrive bientôt au bout du tunnel. Je veux dire premier ski de ma vie. Ouais, premier ski de ta vie. T'es content? Oui. Allez, t'es prêt à skier? Oui. Allez, vas-y, lance-toi dans la pente, je te tiens. N'aie pas peur. Vas-y, lance-toi, n'aie pas peur. Je te tiens. Voilà, vas-y, tout droit. Tout droit. Voilà, très bien. T'as vu là, tu fais le chassage là? Mets-toi sur la. Tu te rappelles ce qu'on a vu la vidéo? Il faut se mettre sur l'avant. Tourne là un peu vers la gauche. Ton pied droit, voilà. Voilà, très bien. Très bien, mon fiston. Très bien, mon fiston. Qui c'est le champion de ski là? Qui c'est ce champion? On retourne Liam à l'endroit où on était. Donc essaye de tourner un petit peu vers la gauche. Voilà. Doucement, pas trop non plus. On freine. Encore. Encore. Voilà, attention. Hop, hop. Vas-y. Essaye de venir un peu à gauche, essaye de faire des zigzags si t'arrives. À gauche et à droite. Vas-y, mets-toi un peu plus accroupi, regarde l'enfant devant toi. T'as vu, il a les jambes écartées. Voilà, comme ça. Ouais. Il a les jambes encore plus écartées. Voilà, comme ça. Ouais, ouais, voilà. Et là, tu tournes. Ouais, ouais, c'est bien. C'est très bien, vas-y. Continue. On va pas le mettre en jambes. Voilà, vas-y. C'est très bien mon fils, bravo, c'était parfait là. On avait très peur avant d'aller au ski de se dire comment on va pouvoir aller skier réellement. Et ben non, il y a des solutions à tout. Voilà, les enfants ils ont fait les cours collectifs et le midi ils mangeaient au club. Ils viennent les chercher au cours de ski, ils les amènent au club pour manger et ensuite ils restent toute l'après-midi au club, ils ont des activités super sympas. Et nous ça nous permet d'avoir une journée de 9 à 17 complète de ski, vraiment au top. Allez, Romy, premier cours de ski avec ses copains. On va voir comment ça va se passer. T'es prêt mon fiston? Oui. Premier jour de ski? Oui. C'est mon premier jour où j'apprends au club. Ouais, c'est vrai. Ça va ma femme? Ça va, ça va. Voilà, on est dans les œufs et on va pile épier nos enfants là maintenant. Avant de partir au cours de ski. Allez, ils sont les deux là. Liam, un manteau jaune. Romy, une combinaison rose. Alors, je vois Romy là dans la fin de la queue avec le casque rose. Et Liam dans le début de la queue. Casque noir, manteau jaune. Ils sont debout, ils ont l'air bien, correct, cool. Voilà. Premier télésiège de la saison. Ça va, ma wife? Ouais, ça va. Ah, je suis très contente. On a mis les enfants au sec. Enfin. Voilà, c'est débarrassé des miens. Et maintenant, on va se la quitter. Allez, on va dévaler. Ouais, on vient d'arriver au sommet. Regarde, descente. Ma femme. Ça fait quoi de remonter sur des skis? Non, mais pas deux, Myril.
On te reverrait juste. Pays merveilleux. Grosse ambiance. La bulle café. On se fait une petite bière. À la tienne. Et aussi un verre de vin chaud. Voilà. Spéciale piste de ski. Je comprends pas, mon mari il est plus devant. C'est bon. On est où là? On n'est pas dans un télésiège. Non. On est dans un surface pour les amoureux. Pour deux personnes. Je sais pas si on voit quelque chose. Derrière peut-être. En bas là. Voilà. Il y a deux sièges. Et ça nous tire les fesses. Non, jamais fait ça, c'est la première fois. Première fois pour moi aussi. Bien, ça mérite un bisou d'amoureux sur un tire-fesse amoureux. Yeah! Voilà. Bon, aujourd'hui il fait pas très très beau. On a mis la capote. Ouais. Du bien. Attends, on comprend pas c'est quoi la capote. Lève la capote de second. Lève la capote. Voilà. Voilà, sans la capote. On rebaisse, voilà. On remet la capote. Avec la capote. Voilà. C'est sympa un télésiège comme ça. On me reconnaît là ? Décapotable ? Non, t'es qui ? Où est John ? Voilà. John n'a pas vu que la piste elle était juste là. Il est tombé tout ça dans la poudreuse et. Chérie! Ça va? Il y a une piste à gauche, une piste à droite, mais non, John est au milieu. Il est fou, il est complètement fou. Alors on a des bons plans parce qu'on a accroché la GoPro à l'avant et à l'arrière. On est devenus des experts. Voilà. Des experts en réalisation de films de ski, vous allez voir. T'es là ou t'es pas là? Je suis là. Mais t'es pas là, oui, mais t'es où? Je suis au soleil. Au soleil, sur les pistes. Un temps magnifique. Eh oh, je suis là. Ok, moi je vais tout droit, à deux tiers vite, et toi tu suis là. Je te fais un câlin. Allez, c'est parti. We're drifting in the dark. Can we do better? Yeah. Wish I could rewind back to the start. Can we do
Attends, mais je sais pas si tu te rends compte, on vient de croiser notre fils sur les pistes. Eh ouais. Bon, il va pas très très vite encore pour l'instant. Ça va les jambes ? Hein ? Voilà, il y a Liam là dans le petit groupe. Voilà, Liam qui descend tranquillement la piste. Eh oui ! Voilà. Et bat tes bâtons par terre. Voilà. Bien, t'as réussi. Pas mal. Ma femme, où c'est que tu nous as emmenés là? Voilà. Oui, moi j'ai voulu commencer une piste noire. Mais ça s'appelait encore une piste. Voilà, j'ai dit à Meryl, va où tu veux, je te suis. Et on se retrouve au milieu des sapins. On va devoir slalomer entre les sapins, on sait pas où on n'est clairement pas sur une piste. Bon bah écoute, c'est parti hein. Allez. Et regarde, il y a un petit chemin dans les sapins là. Attends, je vais le faire tout doux. Oula! Tu viens? T'es là? Meryl? Elle est passée où? Elle est là. Voilà. Mais où on est? Je sais pas, on est dans les sapins. Et alors toute la semaine, Liam et Romy ont fait les cours de ski. Et à la fin de la semaine, ça y est. On peut dire que Liam, il maîtrise. C'est un petit champion. Tu maîtrises le ski, hein? Oui. T'es fort maintenant ou pas? Oui. Comme, combien fort? Je sais pas, j'aurais dit 100. 100? D'accord, ouais. Okay. Il est fort 100. Voilà. Donc à la fin de la semaine en plus ils te donnent une médaille, ils font tout un petit truc, ils font venir le caribou. Romy, tu te souviens du caribou? Oui. Il est venu te donner ta médaille? Eh oui, parce qu'elle a descendu sa piste en plus. Bon, elle a pas trop maîtrisé le chasse-neige, elle descend la piste. T'as pas compris, elle est à l'étape d'après le chasse-neige. Ah oui, c'est ça, elle fait déjà les skis parallèles. Voilà. Elle maîtrise, y a rien à dire. Et donc elle a reçu sa petite médaille à la fin de la semaine et ils étaient bien contents. Et c'est comme ça qu'on fait les chasse-neige. Voilà. Ouais. Yes. Yeah. Avance vers moi. Quel beau gosse. Something about you. Something about you. C'est beau. Ok. Suis-moi. Allez, viens vers moi. Ça fait câlin maman. Et alors qui c'est qui est venu nous rejoindre au ski? Tonton Benji. Ouais, tonton Benji il est venu nous rejoindre. Et alors on s'est fait un bon kiff, moi je suis parti avec mon frère, on s'est fait une journée ski entre frères, au top du top. Attention Benjamin sur les pistes, tout fraîchement venu d'Israël. On l'appelle la terreur des pistes. Bon, il n'est pas très très rapide hein, des fois. En même temps. Mais mes skis à moi ils sont plus rapides que les tiens je crois, j'ai l'impression que sur du plat je vais beaucoup plus vite. Ah tu crois? Attention Benjamin dans l'épreuve de slalom. Je t'explique, tu donnes tout hein. Tu donnes tout là. Ça va être soit une grande gamelle. Je là c'est la compétition internationale de slalom. Oh,
Et aussi les boss aussi, il y a tout un... Ah oui, on n'a pas parlé des boss. Bah oui. Attention, John va faire deux sauts. C'est parti. Allez, premier saut. Trop stylé. Allez, John. Wouhou. Et il s'est relevé. Une autre des activités qu'il y avait dans cette station, c'est les luges. Alors, ils ramenaient toutes sortes de luges. Des luges en mode matelas gonflable, des luges en petits scooters, des... Bref, plein de sortes de luges. Et ils nous laissent les utiliser pour toute la soirée, comme ça. Il y avait une petite pente. Tout le monde en remontait à chaque fois la pente et on se lâchait dans la petite pente. C'était quoi ta luge préférée à toi? La trottinette. C'est la trottinette que t'as préférée? Oui. Hein? Moi aussi, c'est la trottinette. Non. Je mettais bien les pieds comme ça, t'allais super vite. Bah, moi, c'est le matelas. Ah ouais? Non. Ouais. Allez. Allez, on peut y aller. Vas-y, lance-toi, mon piston. Either they love me or I'm a target. C'était bien, Romy? Oui. Bon, maman, t'es à l'ouest, hein? Allez! Bon, il y a aussi une autre personne qui nous a rejoint, c'est ma copine Justine qui nous a rejoint. Elle nous a rejoint pour le week-end. On a passé le samedi matin avec les enfants et tout, on lui a montré comment ils avaient appris à skier toute la semaine. Attention, t'as mis les rênes, c'est bon? Coucou Romy! Mais c'est qui ça? Mais c'est Justine! Voilà. Allez Romy. Allez, on descend. Allez Romy. Allez Romy. Allez. Allez Romy. Ah. Justine, monitrice de ski privée. C'est très bien mon fils. Allez, va, non, va jusqu'au bout là-bas et on refait le même. Cette fois-ci, on essaye de le faire même en plus vite. Hein? Vas-y, tu fais le tour et tu reviens dedans. Très très bien, bravo. Bravo mon fils. Ah bah tu vois, il y a énormément de progrès depuis la dernière fois qu'on est venu. Vas-y. Vas-y, montre-moi. Ouais, je vois, je vois. Allez, je vous filme. Vas-y, mon fiston. Moi, je suis de ce côté, toi. Il y a les tournants. Pas de casse-neige. Allez, on y va. Allez.
Ah oui, trop bien. Trop bien, bravo mon fichu. Ça me fait trop plaisir. Et l'après-midi, on est parti juste tonton, Justine et moi. Et moi j'étais faire du ski entre grands et on a laissé John garder les enfants. S'occuper des enfants. Enfin, la famille Lucas reçoit deux personnes de marque aujourd'hui. Ouais. Benjamin et Justine. On va vous mettre la misère. Oh là 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 là, j'ai peur. En plus, ils veulent faire ce champ de boss là. Trop purée. Et le dimanche, le monde s'écroule. Tout simplement que la crise du coronavirus a éclaté et que les décisions sont tombées et tout le monde devait à présent se confiner. On a appris, genre on était sûr que le lendemain on allait skier et tout d'un coup ils disent que la station est fermée. Alors là on est passé en mode commando. On a tout rangé les valises, on a pris direction le train malgré qu'on n'avait pas de ticket. On est rentré sur Paris. Et on a pris direct un billet d'avion parce qu'on devait aller. En fait, on a avancé notre billet d'avion. À la fin du ski, on devait rentrer en Israël. Et donc, on a avancé notre billet d'avion pour rentrer directement en Israël dès que la station a fermé. Bon, John, ça va? Oui. Lucas, ça va, ça va. Tu vois, on voit les films scénarios fin du monde et à chaque fois, on s'imagine. Ouais. On pensait pas que ça pouvait arriver à nous. Justine, c'est bon? Moi j'organise. Moi, voilà. T'es là. Benjamin, t'es là ou t'es pas là? C'est Resident Evil. Je suis là. C'est Resident Evil. C'est pas on est prêt pour rentrer. Voilà. 5 heures dans un TGV. On s'est levé. On est parti du ski. Une semaine en moins. Ouais. Et Justine a eu une bonne idée. Justine a dit vite le wagon bar pour les clandestins. Bravo Justine. Et Justine a de l'expérience malheureusement dans les plans loose. Bye bye. Bye bye. On me dit bye bye. Bye bye.